Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 24 ans. Donc j'ai fait l'Apple Foundation Programme en 2021 et aujourd'hui je suis développeur iOS à la Française des Jeux. Mon parcours scolaire, donc je suis sorti d'un CAP électricité et je savais plus trop quoi faire. Donc j'ai repris un bac en candidat libre. Et suite à ce bac en candidat libre, j'ai voulu me reconvertir dans le numérique. Et un jour j'ai vu la formation de Simplon avec Apple et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai découvert l'Apple Foundation Programme en me renseignant sur les formations dispensées à Simplon et quand j'ai vu que c'était Apple qui était contributeur du projet, je me suis dit que c'était forcément une formation super sympa à suivre. Ce que j'ai appris dans ma formation, c'était principalement trouver un problème utilisateur, faire des recherches par rapport à ce problème, trouver les solutions techniques pour créer une application de A à Z avec le langage Swift et SwiftUI pour donner cette solution à l'utilisateur et lui changer la vie. Donc mon projet a été Synhelp, c'était le but de cette application, a été d'aider les indépendants à trouver du travail dans le 7e art. On a pu faire cette application grâce à Xcode et j'ai appris à utiliser Swift, SwiftUI, à mettre des images. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire sur un logiciel Apple. On avait plein de sujets différents qui étaient proposés. On a formé un groupe autour de cette thématique parce que moi j'aime beaucoup le cinéma, du coup ça m'a tout de suite parlé. Dans notre groupe, on était deux femmes et un homme avec moi. On venait tous de milieux très, très différents, donc ce qui faisait que on s'unissait en fait autour d'un projet et on est avancé ensemble malgré nos peu de connaissances techniques. Et donc on s'est super bien entendu et j'ai fait de formidables rencontres. Après la formation, j'ai continué à m'auto-former. Et donc ce qui m'a permis de me faire remarquer par Appywedia, dont son fondateur est Michael Mass, un des formateurs de l'Apple Foundation Programme. J'ai pu travailler sur Bucketfinder, qui permet de trouver des restaurants et des food trucks autour de soi, ce qui m'a permis de travailler sur les modules de localisation de l'iPhone et d'étendre mes compétences techniques sur un projet de production réelle. Et c'est vraiment une formation qui donne une vision sur un produit au niveau de l'UX, de l'UI et techniquement aussi, et surtout humainement. On apprend beaucoup de soi et des autres. Grâce à ça, j'ai pu toujours avancer, faire mes projets personnels. Et aujourd'hui, dans mon travail en tant que freelance, ça me permet de toujours me challenger et aller plus loin, même sur des projets qui sont beaucoup plus avancés, comme dans mon travail à la Française des Jeux.